Bonjour tout le monde, ici Orphée à 2012. Tu crois que j'ai bougé depuis l'endroit, la fois où j'ai tourné à cet endroit-là? Non, même pas. Tu crois que j'ai bougé dans la vraie vie? Non plus, j'enchaîne les vidéos. Parce que regardez ce que j'ai trouvé. Oh! Elle est géniale, cette faille. Elle est belle comme tout. Bon, je suis toujours perdue, hein. Je ne sais pas dans quel sens je vais. Mais cela n'a pas d'importance. Oh, mais c'est pas le bon truc, oh, c'est con ça. Voilà. Coucou chauve-souris. Je viens de lui brûler les yeux, mais. Coucou toi là-bas. Mais bon, on n'est pas là pour voir la grotte. On est là pour voir la faille. Et c'est pas mal hein, quand même, hein. Non. J'avais cru voir quelque chose, mais en fait j'ai mal vu. Eh ben dis donc, il y en a des araignées ici. Moi j'adore Minecraft parce qu'on peut se promener, voir plein de choses. Regarde, là il y a de la lumière naturelle, tu vois? Il dépense même pas d'électricité, il pollue même pas la planète. Waouh, c'est géant. Minecraft peut nous apprendre plein de choses, hein. Un lac de lave, hyper dangereux, pof, t'éclaires tout un endroit quand même. Faut y penser à ça. Pourquoi t'es toute cinglée, toi? Je danse. Je danse. Oui, je danse. Bon, bref, à mon avis, elle est en train d'éplucher le champignon. Oh, marre la tombée. Je viens d'où? Et hop. Là, c'est pas trop intéressant. Ça me dit rien. Oh, les chauves-souris, elles s'éclatent. Vous avez vu maintenant, on peut acheter une petite boîte, genre une boîte pour faire une petite maison pour les oiseaux, mais pour les chauves-souris. C'est géant, ça. Les chauves-souris, on en a besoin. L'air de rien, une chauve-souris, elle te protège des moustiques. Donc, faut les garder, les chauves-souris. Les chauves-souris et les hirondelles sont capables de nous protéger de plein de petits nuisibles. Ah, genre un bloc dans la gueule aussi. Oh la vache, ça descend profond. Oh, tu tombes sur une faille comme ça en survie, t'es méga Joyce, quoi. Waouh. La vache, il y a de l'or ici, hein. Wow. Oh, regarde, peut-être on aura même des diamantos. Waouh. Bah dis donc, et oh, impressionnant, hein. Ça, c'est géant, ça. Wow. Sont bizarres les grottes ici. À chaque fois, t'as un endroit qu'il faut casser. Tu vois, pour passer là. Oui, je suis trop grande, je sais, comme dans la vraie vie. Ah, tiens, Andy. Ça va? Me calculerait bien, mais il se dit, j'ai pas envie. Bon, tiens, on va sortir. Hé! Je te pousse si j'ai envie. Je rebondis, dis donc. Oh, je rebondis plus. Salut, toi. Bon, on va peut-être arrêter parce que y a un Enderman qui m'a fait mourir de trouille sur mon aventure en survie. Donc... Oh! Big surprise! Je m'attendais pas à retomber sur une autre cavité.
Toujours il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais déjà fait de la spéléologie. Bah oui. Autant que je veux, hop, je peux en faire. Bah dis donc, t'as vu que t'as failli te prendre un coup dans le patch, toi, dis donc. Oh bah c'est tout. Je voulais aller voir qui c'était lui. Train de courir dans la neige, sur la glace. Coucou Jack. Hey, dis-le que t'en as rien à faire. Oh. Ils sont beaux, hein, ces monstres-là. Regarde avec le soleil qui est en train de se lever. Ils doivent te défoncer la gueule en survie, mais je les trouve beaux. Hein, t'es jolie. Bon, attends, parce que je cherchais d'où je venais. Et point, je sais. Et il y avait des torches là-bas. Et je crois que là, c'est Muerto, parce que. C'est pas du tout dans quel sens aller en fait. Eh ben c'est pas grave, allez, on fonce par là. Lac de lave en plein milieu de la forêt pour te réchauffer un petit peu. Si on allait dans le sens du soleil levant, moi je pense que ça serait pas con pour pas perdre le sens de la balade. Je sais pas, hein. Hop là. C'est beau la neige comme ça une fois que le soleil se lève quand même. Bon, puis on va se promener, puis je vais arrêter la vidéo parce que pas faire que ça tout le temps. Dans le précédent épisode, j'ai quand même trouvé un ours. Depuis le temps que j'en réclamais un ours blanc dans la montagne, je l'ai trouvé. Bon, tu nous proposes quelque chose de dingue. Ça fait un c'est un peu dingue quand même, mais bon, c'est pas non plus phénoménal. Quoique. Oh, j'aime bien. Une petite grotte là comme ça avec des champignons. Yes. Non. Ah bah il n'y a rien d'autre. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Les champignons poussent en paix. Eh bien, nous allons vous laisser en paix les champignons. Coucou les moutons. Je suis dit, tiens, encore un ours blanc. Non, même pas. Et là, ça, c'est pas un ours blanc. Non. Avec mot créature, je m'étais fait arracher par un ours blanc. Je te jure, il avait couru après moi. Je croyais que j'étais sauvée. Il m'a collé une droite. Raide. J'étais en survie. Et ben, c'était pas bon. L'une ours, il m'avait éteint. J'adore les blocs volants. Violents. Mais je suis pas née pour chaque fois. Bon, allez. C'est parti, mon kiki. On va un petit peu par là. J'aurais bien aimé qu'on finisse la vidéo sur autre chose que de la neige. Maintenant qu'on est au printemps, qu'il fait beau. Que du coup, on se bouffe des orages. Ouais, j'adore. C'est hyper bien. Dès qu'il fait un peu beau, paf, orage dans ta gueule. C'est hyper pratique. Bon. Ben, on va finir dans la neige, comme ça, s'il fait trop chaud pour vous, chez vous, et ben hop, vous vous rafraîchissez un petit peu avec Orphéoc. Un petit peu de mal à parler aujourd'hui, mais ça va aller mieux bientôt. Oh! Voilà, c'est fini. On n'en a plus de la neige, mais c'est pas grave. Allez, on arrête la vidéo. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus, tout le monde.